de la foule est animé. Les joueurs déterminés, allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'histoire est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Oh, j'ai faim! Je sais pas ce qu'on va manger dans ce resto mexicain. Par contre, demain, on va dévorer tout cru. Les reptiles! Qu'est-ce que vous voulez? Alors, les losers, on se balade en ville. Au fait, tu disais quoi, Léo? On allait se faire dévorer demain. Mais c'est vous qui allez déguster. Les reptiles sont les meilleurs de Chicago à San Antonio. Vous n'avez aucune chance contre l'eau. On peut passer? On allait déjeuner. Mais il fait le malin. Essaye pour voir. Hé hey! Mon ballon! On dirait que tu t'es pris un mur, vieux. C'est pas du jeu, c'est même de l'anti-jeu. De l'anti-jeu, c'est la technique du mur, Vénus. Tout simplement. Un entraîneur russe nous a fait répéter les mêmes mouvements des mois et des mois. On a trimé dur, une vraie école de patience. Alors, dire que c'est moi de labeur, c'est de l'anti-jeu. Ça mérite une petite leçon. Hé, lâche-moi, espèce de brute! Aïe! Hein? Hein? Hé, reviens ici! Oh, rends-moi ce ballon! Oh! Mais... Ça suffit maintenant! Victoire par KO. Demain, les High Five, on va vous pulvériser. Vous allez morfler. On va vous éclater comme ça. Mais qu'est-ce que vous attendez pour la contrer? J'entraîne des reptiles ou des limaces? C'est qui cette fille? Je crois que c'est à toi. Oh. Tiens, moi c'est Selena. Et toi? Science-fiction. À bientôt, Mike. J'espère te revoir. Moi, c'est Léo. Demain, vous affrontez les reptiles. Qu'est-ce que vous savez d'eux? Qui sont ultra rapides? C'est vrai. En particulier Mamba et Todd. Python est excellent pour les paniers à trois points. On sait qu'ils se déplacent en mur. La technique du mur. Sacré Slim. Il a embauché Dimitri Popov. Tony, j'ai un mauvais pressentiment. On n'a pas réussi à franchir une seule fois leur mur. Leur défense est carrément imprenable. On te dérange, Mike? Je sais comment franchir le mur des reptiles. Mais elle est formidable, cette fille. C'est Selena. Si on allait lui demander comment elle fait. C'est une excellente idée, Mike. Elle est la bienvenue aux entraînements. J'adorerais jouer dans une équipe de basket comme vous, mais mon père ne veut pas. Alors je m'entraîne toute seule.
Wow. Comment t'as fait ça? Dans chacun de mes gestes, j'essaie d'être rapide et précise. Tu veux venir à notre entraînement? Tony dit que t'es la bienvenue. Tony? Quel Tony? Bah, Tony! Tony Parker, quoi. Tony Parker? Le Tony Parker? Tipeee, le Tipeee? J'y crois pas. C'est lui qui vous entraîne? Il s'est même battu pour qu'on accepte, tu sais. Il plaisante. Alors, tu viens? Où ça? À notre entraînement de basket. Pourquoi viendrait-elle? Parce que le basket, c'est sa passion. À tes souhaits, Selena. Votre fille est incroyablement douée pour... Faire le ménage. Je suis une vraie fée du logis, pas vrai? C'est vrai, mais pas seulement. Elle est aussi une excellente élève, ma petite brindille. D'ailleurs, je vais de ce pas réviser les mitochondries. Bah oui, mon rêve, c'est d'être docteur. Forcément, non? Vous croyez? C'est sûr. À toi, il pourra pas dire... Non! Votre fille a un réel talent. Elle a peut-être une belle carrière devant elle. Sa carrière, elle la fera en médecine. Non, écoutez-moi, je vous en prie. Partez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi lui demander moi-même. Selena est grande, elle peut choisir. Comme vous voulez, mais je vous assure, le sport, elle s'en fiche totalement. Selena, tu as de la visite. Tony Parker? Selena, ton talent pourrait être utile au High-Five. Ça te dirait de participer à l'entraînement? Oui, je peux venir si vous voulez. Alors ça, c'est la meilleure. Pourquoi tu veux y aller? Tu n'as jamais aimé le sport. Ils disent que je pourrais les aider. Du moment que ça ne te perturbe pas pour tes études. Waouh! Ça me fait trop plaisir de m'entraîner avec vous. Hey, merci. C'est quoi le problème avec ton père? Pourquoi tu lui mens? Il ne comprendrait pas. Pour lui, c'est les études, les études, les études. C'est quoi ton problème? Tu n'as jamais menti à nos parents, toi? Atterris, Léo. Ça sert à rien de prendre la défense de Selena. Elle est pas pour toi. Selena, j'ai vu de quelle façon tu franchis le mur des reptiles. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais ça? Je m'entraîne à l'art du mouvement. Dès que je fais une livraison, j'imagine un parcours d'obstacles en faisant des figures. Comme ça. J'arriverai jamais à faire ça. Ne faites jamais ça sans vous être entraîné pendant des mois. L'adresse de Selena est hallucinante, mais sur un terrain de basket, il n'y a pas d'immeuble, pas d'escalier, pas de barrière. À quoi ça nous sert tout ça? Bonne question, Stella. Mais j'ai ma petite idée. Dans son parcours d'obstacles, Selena est seule. Ses partenaires sont un escalier, une barrière, un immeuble. Au basket, les partenaires, c'est vous. À vous de jouer collectif. Séduire n'importe quelle fille, mais celle-là, laisse-la pour Mike. N'importe quelle fille? J'ai mes chances avec toi. Pardon, j'ai mal pris mon élan. C'est pas papa, c'est pas grave. Grave, il veut dire que c'est pas grave. Et moi, c'est Léo.
est une verrue. On fait quoi, coach? La vengeance est un plat qui se mange froid, même quand c'est un plat mexicain. C'est une question de pied d'appui et de synchronisation. Absolument. On peut aussi s'entraîner pour les dunks en escaladant le poteau du panier. Tu dois fixer le panier, Mike. Imagine que ce que tu désires le plus au monde est dans ce panier. Ça te donnera des ailes pour y arriver. Oh mince, c'est le service du soir au resto. Faut que je rentre. Ciao! Je vais au collège Magic Johnson voir s'il reste une place en sport-études pour Selena. Vous pouvez commander des pizzas. Imagine que ce que tu désires le plus au monde est dans ce panier. Vous pensez que Mike doit faire quoi avec Selena? Moi, je pense que ça nous regarde pas. Mike plaît à Selena sans rien faire. C'est donc inutile qu'il fasse quelque chose. Il doit juste attendre que Selena fasse le premier pas, c'est tout. Moi, je dis qu'il faut pas te le faire quand il est chaud. Mike, elle te plaît, Selena? Parce que si elle te plaît pas, moi je fonce, tu comprends? Elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît! C'est la chambre de Selena! Balance un caillou! Et si je casse sa fenêtre? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mike? Qu'est-ce que tu fais là? Fais-lui un compliment, quelque chose sur ses yeux! Selena! T'as deux yeux. Ah bah oui. Demande-lui si tu peux la rejoindre. Je peux venir sur ton balcon. Mon balcon? Mais j'en ai pas. On en a sué avec Dimitri Popov. Il m'a fait découvrir des muscles que je soupçonnais même pas. Alors, on va pas te laisser détruire tout notre travail. À l'attaque! Arrêtez! Écoute, je t'ai vu aider les High Five. Si tu continues, tu auras affaire à moi, personnellement. Lâche-la! T'es encore là, toi? Le proche chevalier au service de sa princesse. Oh, tout sur lui. J'ai dit, lâche-la. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? On décampe. Madre de Dios. Papa, je vais t'expliquer. J'ai été attaquée. Mike m'a sauvée. Lâchez ma fille! Je ne veux plus te voir traîner ni t'entraîner avec ces basketteurs. Plus jamais, compris? Mike! Tu déçois Selena faire venir des garçons chez nous la nuit. Mais papa, il est venu me sauver, promis. Les autres reptiles disent que je suis casse-pieds. Va savoir pourquoi. Ça va? C'est maintenant que t'arrives. Tu m'as assommé, je te rappelle. Chut. Si Tony voit qu'on rentre à cette heure-ci, c'est sûr il va nous faire passer un sale quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe encore? Rien. On visite la maison. À cette heure-ci, vous vous moquez de moi? Tony, Mike est blessé à la cheville gauche. C'est rien. Une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. On va voir ce que ça donne demain. Debout, les gars. C'est jour de match aujourd'hui. Dis-moi si ça fait mal. Entorse, tu peux pas jouer le match. Il fallait bien que ça arrive un jour. Non, on a une solution. Selena,
Elle peut me remplacer. Allô? Bonjour, Tony. Que je remplace Mike? Quoi? Que mon père vous donne son autorisation? Oui. Bonjour, je suis mon père. Carlos. Bien sûr. Ce serait une grande joie que ma fille joue avec vous. Je lui dis de se dépêcher et que ça saute. C'est marrant, son père a une voix super aiguë au téléphone. C'est d'accord. Ouais. Mon papa, je suis complètement désolée, j'avais oublié, j'ai un devoir de biologie demain. Ça t'embête si je te laisse? Non, vas-y ma chérie. Ma fille a une passion pour l'école, ça fait chaud au cœur. Dis donc, Tony, c'est toi qui lui as fait ça? Léa est fort. On vous écrasait à 5, mais à 4, on va vous atomiser. On a une petite surprise pour vous. Rien à faire, c'est dans le règlement. Tant que c'est avant le début du match, ils ont droit à une remplaçante. Je peux peut-être lui casser les côtes. Un accident est si vite arrivé. On n'est pas obligé de la blesser pour l'éliminer. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur son adversaire. Allô? Ma fille joue un match de basket, mais c'est une plaisanterie. Elle révise sa biologie. Je déteste les canulars téléphoniques. On devrait plus être ennuyé trop longtemps par Miss Basket. Comme un courant d'air. Y aurait pas des trous dans votre mur? On dirait que t'as mal calculé ta trajectoire. Selena, c'est comme ça que tu révises ta biologie? Vous serez mieux sur les gradins pour regarder le match. Que fait ma fille ici? Vous vous croyez tout permis? Au téléphone, vous avez bien accepté que Selena joue avec nous, je me trompe? Au téléphone? Ça, ça m'étonnerait. Je vais vous expliquer. Et voilà, c'est... Selena, tu as menti à ton père et à moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, Selena. Tu n'aimes pas le basket. Ta passion, c'est la médecine. Non, c'est faux, papa. J'adore le basket. Et je me moque complètement de la médecine. Quoi? Mais tu m'as toujours dit que tu... Je t'ai menti. J'ai toujours dit ce que tu voulais entendre, papa. Pour te rendre heureux, tu ne penses qu'aux études. Vous allez gagner le match sans moi. Même à 4, vous pouvez battre les reptiles. Au revoir. Non! Je veux que tu termines ce match, ma chérie. Je veux que tu sois heureuse.
rien du tout entre Mike et moi. C'est juste qu'il fait du basket et j'aime le basket, voilà. Mais tu penses qu'on va te croire? Ok, j'avoue, c'est vrai, Mike me plaît. Je trouve son petit côté panda trop craquant. Oh, mignon. Je m'en veux de ne pas avoir vu ta passion pour le basket. Quand j'étais enfant, je voulais devenir pompier. Et tes grands-parents m'en ont empêché. Ils trouvaient ça dangereux. Vis tes rêves, ma fille, et deviens basketteuse. J'ai été au collège Magic Johnson. Il y a une place pour Selena l'an prochain au sport-études basket. Oh, merci, Tony. De rien, Selena. Très belle victoire, les high-fives. Mike, maintenant, va falloir que tu soignes ta cheville. Mike, t'es pas là? Mais il est où, Mike? Mike, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je descende? Embrasse-moi, Selena. Sinon, je crois que je vais tomber. Il est avec Selena? Sacré Mike, il grandit.